tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul pour vous montrer un petit peu des nouveautés. Donc principalement que des choses que j'ai achetées. Il y aura un petit peu de make-up et de soins et il y aura un petit peu de vêtements. Là c'est qu'on va commencer tout de suite par les soins, après ce sera le make-up et après ce sera les vêtements. Alors la première chose que je voulais vous montrer c'était une crème exfoliante que j'ai achetée chez Sephora. Alors c'est quelque chose qui coûte pas cher du tout, alors 3-4 euros grand maximum. Parce que j'avais plus de gommage pour le visage et donc j'ai pris la gamme Sephora au thé vert et donc qui est matifiante et anti-imperfection. Donc ça fait quoi, 2 semaines que je l'utilise je pense à peu près, et je la trouve très bien, enfin je la trouve puisque c'est une crème exfoliante, je la trouve vraiment très bien pour le prix. Franchement j'ai quasiment plus d'imperfection, alors je sais que j'en avais quasiment plus, mais j'avais quand même là depuis quelques, je sais pas, 3-4 semaines, des boutons qui recommençaient à pousser là autour au niveau du menton. Et donc là, je commence à avoir une peau plutôt, plutôt clean. Voilà. Voilà, si vous avez un petit budget et que vous voulez avoir une crème exfoliante, bah franchement, elle est sympa, vous pouvez la tester. Je suis un peu malade, je suis désolée si ma voix est pourrie. Autre chose, alors, c'est... Je l'ai reçu de Garnier, il y a un produit en fait sur les deux que vous avez déjà vu parce que je vous en ai déjà parlé 1 million de fois. Voilà. Mais du coup ils m'ont envoyé un lot de 2 et il y avait un produit qui vient de sortir et l'autre que je connaissais déjà très bien. Donc en fait ce sont leurs solutions micellaires. Donc la solution micellaire peau sensible, donc avec le bouchon rose pour démaquiller, apaiser, etc. Donc que j'avais déjà puisque vous savez que j'utilise que celle-là depuis au moins je pense 2 ans. Donc oui, bah bien évidemment, je l'ai re-reçu, mais tant mieux, parce que j'adore ce produit-là. Et par contre, la nouveauté qu'ils ont sortie et qu'ils m'ont envoyée avec, c'est une eau micellaire, mais biphasée. Donc un peu comme les démaquillants d'habitude. Mais c'est pas micellaire, d'habitude c'est vraiment démaquillant. Et en fait, c'est spécial maquillage tenace, maquillage tenace waterproof. Et donc vous pouvez démaquiller absolument tout. C'est pas que pour les yeux, c'est vraiment visage, yeux, lèvres. Et donc fini, mais avec un fini qui n'est pas gras. Donc c'est testé, à peu près comme tous les produits je pense, dermatologiquement et ophtalmologiquement. Ça fait 2 semaines à peu près que je teste le combo. Bon alors ça je l'ai tout le temps. Mais donc du coup je me démaquille avec ça, donc exclusivement avec ça depuis 2 semaines. Ça fait très très bien son boulot. Alors faut bien secouer par contre évidemment en amont pour que les solutions elles se mélangent. Et par contre ça démaquille très bien effectivement, le maquillage waterproof il n'y a pas de problème, ça ne pique pas les yeux. Moi je suis plutôt satisfaite, ça ne me tire pas la peau non plus après. Par contre même si il y a marqué sans rinçage, donc vous n'êtes pas obligé de vous laver la tête derrière, effectivement moi j'aime bien quand même, enfin je peux pas me passer de l'eau micellaire, j'en mets tous les matins, j'en mets tous les soirs après le démaquillage, je suis obligée, donc de toute façon j'utilise quand même si c'est pas obligé, ça, comme d'habitude je finis avec un petit coton, même sur le buste, etc. parce que je trouve que ça rafraîchit vachement la peau. Ça c'est 2 très bons produits, vous n'avez pas testé ça, j'en suis ravie aussi, et puis l'eau micellaire comme d'habitude vous savez que je vous la recommande, elle est vraiment top. Comme d'habitude quand Garnier me propose de tester des produits, vous pouvez les gagner sur mon Insta, donc je vous organise un petit concours en même temps que la sortie de la vidéo, vous avez juste à aller dessus et à suivre les conditions. Autre produit de soin, alors ça c'est une marque qui est sortie il y a quelques mois chez Sephora, en tout cas en France, et du coup j'avais eu des échantillons quand j'allais chez Sephora acheter des trucs. J'avais testé une crème pour le visage, quelque chose comme ça. Vous avez dû la voir partout cette marque, c'est Egg, la marque Egg, voilà, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou Too Cool for School, j'arrive pas trop à savoir comment ça s'appelle ce truc en vrai. Et je me suis dit, bon allez, c'est des produits qui sont quand même assez chers, puisque là j'ai voulu tester une mousse hydratante pour le corps qui se transforme en huile. Alors c'est quand même quelque chose qui coûte 22 euros dans mes souvenirs. Bon, j'avais une petite réduction, mais bon voilà, c'est quand même, je trouve, cher pour 150 ml de lotion hydratante pour le corps. Voilà, donc si vous hydratez le corps tous les jours, à mon avis, le flacon il dure pas très longtemps. Donc là j'en mets. Donc là j'en mets tous les 2 jours à peu près. Et donc ça m'a quand même vachement intriguée. Ah, je vais y arriver. Le bouchon il est plus là de toute façon. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est c'est une bombe tout simplement. Ça fait un peu mousse à raser. Et en gros vous secouez, vous faites un schpousse. Je vais vous montrer. Allez,
On sacrifie 2 ml. C'est parti. Hop là. Et en fait, ça se transforme en huile. Donc ça se transforme en huile, mais pas une huile trop grasse, ni une huile trop sèche. Franchement, je trouve que la texture, elle est mais parfaite. C'est... Enfin, quand je me mets, j'hésite pas du tout à m'habiller après derrière. Donc je suis hyper fan. Pour moi, c'est vraiment une grosse découverte. C'est vraiment dommage que ça coûte ce prix-là. C'est vraiment la texture que j'ai préférée dans tout ce que j'ai testé en... Bah, en soin pour le corps, clairement. Je préfère ça à l'huile pure, alors que j'adore l'huile. Et je préfère ça à la crème hydratante. J'ai pas l'impression que ça hydrate des masses, ça laisse pas de fini un peu doux comme l'huile. Et en fait, là, ça laisse ce petit fini satiné brillant. Et par contre, ça sent extrêmement bon. Alors, c'est pas du tout l'odeur de d'habitude, style monoeil ou autre. Mais ça fait un peu une odeur de... Donc là, quand je vais dire ça, je sais absolument pas si c'est ça ou pas. Ça fait un peu fleur blanche. Je sais pas comment... Mais sans faire mémé quoi, ça sent pas hyper fort. Mais c'est très léger et ça sent vraiment les petites fleurs quoi. Je suis hyper fan, hyper fan. Je me suis pris un rouge à lèvres de chez Urban Decay. C'est la gamme... Alors j'en sais rien du tout en fait, voilà, c'était un rouge à lèvres. Mais je crois que c'est une nouvelle gamme parce que sur le présentoir, il y avait une palette pour les yeux. Et il y avait deux rouges à lèvres comme ça. Enfin voilà, ça a l'air d'être une gamme un peu orangée, chaud, etc. Et donc j'ai pris la couleur, c'est un rouge à lèvres crémeux. La couleur Fuel et j'adore. Donc là j'ai mis sur les lèvres. Je sais pas si ça se voit bien. Alors j'ai du gloss par dessus hein, mais globalement la teinte... je sais pas si on voit net. Globalement la teinte c'est ça. Donc c'est un nude. Un nude un peu pêche et donc très crémeux que j'aime beaucoup. Et donc je viens de vous dire que j'avais du gloss par dessus et donc ça va vous intéresser parce que ça vient vraiment vraiment de sortir. Donc moi j'ai percuté 4 jours après que c'était la marque de Rihanna en fait hein. Je comprenais pas d'où ça sortait ce truc là, j'en avais jamais entendu parler. Donc c'est de la gamme donc Fenty Beauty, donc qui est une collection de maquillage imaginé par Rihanna, bref. Et en fait, elle a sorti un gloss, je suis pas très gloss à la base, parce que j'ai une trop grosse bouche et que j'aime pas trop l'effet que ça fait. Et là, en fait, j'ai vu son gloss universel, il n'y a qu'une teinte, et je l'ai trouvé mais magnifique. Et du coup, je l'ai déjà mis tout seul et j'ai déjà mis là, comme ici, sur le rouge à lèvres un peu nude. Et l'effet, il est vraiment... Donc le packaging, il est magnifique, il coûte 19 €, il y a vraiment un gros embout. Donc vous savez qu'on est toutes petites lèvres, ça va être compliqué je pense de prendre un pinceau. Et ça sent très 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 bon. Et il est pas gluant, il fait pas des fils, c'est ça aussi que j'aime pas. Ça fait pas des vieux fils quand vous parlez entre les deux lèvres, donc il fait pas de paquet, enfin... Et vous avez des petites nacres à l'intérieur, très 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 jolies. Autre chose que j'ai voulu tester, c'est le correcteur de Kat Von D. J'avais déjà acheté le fond de teint quand j'avais beaucoup d'imperfections. J'avais été assez satisfaite du fond de teint parce qu'il était très couvrant et il tenait plutôt bien. Et donc, comme j'avais plus de correcteur, j'ai acheté le donc Lock It Concealer. Je l'ai pris en teinte Warm M25. Et je suis... assez mitigé, donc là c'est pareil, ça fait 2 semaines que je le mets, donc je sais bien, je peux vous donner un peu un avis quand même sur les choses que j'ai achetées. Je suis assez mitigée dans le sens où la teinte est très très bien, M25 c'est parfait, ça a bien le sous-ton jaune, etc. Donc ça c'est vraiment impeccable. La couvrance est bonne aussi, ça cache, enfin je trouve vraiment que ça cache bien, quand on l'applique, s'étale bien. Il marque pas trop les plis, il assèche pas la peau. Le seul bémol, c'est qu'en fin de journée, quand je me regarde dans les toilettes au boulot, je trouve qu'il tient pas des masses en fait. Vu la tenue du fond de teint, je m'attendais à un peu mieux au niveau du correcteur tout simplement. J'avoue que je m'attendais à mieux, donc pour le prix, effectivement, je préfère quand même, par exemple, me racheter le MAC. Voilà, le MAC ou même le NARS. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterais, même si c'est pas un gros flop. Autre petit make-up que j'ai acheté, j'ai enfin testé les rouges veloutés sans transfert mat de chez Sephora. Je ne les avais jamais essayés. Donc c'est vrai que j'avais acheté plutôt ceux des autres gammes qui étaient un petit peu plus chers.
Et là, j'ai vu celui-ci, c'est la teinte 4. C'est un peu un bordeaux foncé. À l'application, il est vraiment facile à appliquer. Il ne marque pas les plis de la bouche, etc. Parce que souvent, les mats, c'est un petit peu ça qui me fait flipper. Et donc, si vous voulez voir le rendu, il a une très bonne tenue également. Il n'y a pas de transfert, effectivement. Enfin, il est vraiment digne de ceux que j'avais achetés précédemment à une vingtaine d'euros. Et donc, si vous voulez voir comment ça fait, j'ai mis une photo sur Insta il y a 2-3 jours avec le rouge à lèvres porté. Et donc, comme ça, bah, voilà, vous pouvez voir ce que ça rend. Il est vraiment, vraiment canon. On va passer aux vêtements. J'ai 4 achats à vous montrer. Je vais essayer de les porter vite fait. Alors, ça va pas du tout aller avec le haut que j'ai, mais bon, c'est pas grave. Déjà, en ce moment, je suis fan de veste. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude j'en ai rien à faire des vestes, je traîne le truc jusqu'à ce qu'il soit troué et j'en change. Et là je commence à en avoir à 18 000. Donc déjà j'ai trouvé une petite veste chez Zara, grise, mais un beau gris, un peu effet daim, c'est un peu un perfecto on va dire. Et une vingtaine d'euros, je crois 24 euros ou autre, enfin bref je suis hyper fan, mais hyper fan, de ouf, de ouf. Donc je vous montre un peu, voilà comment ça fait. Alors je ne sais pas du tout si j'ai l'air d'une cloche ou pas là, parce que voilà, les cheveux ça fait un peu nimpe. Mais c'est pour que vous voyez le... Donc c'est vraiment coupe perfecto, hein, comme je vous ai dit. Donc ça ne va pas du tout avec la jupe, mais c'est pas grave. Voilà. Donc bref, je suis hyper fan, elle est trop belle. Alors je la ferme pas parce que j'aime pas trop comment ça fait quand c'est fermé. Et donc une vingtaine d'euros, c'est vraiment pas abusé. Elle est vraiment parfaite. Et vous avez des petits détails d'empiècement. Là, je... Donc rebelote, ça va pas du tout aller avec ma tenue. Quoique, bon, ça passe. Ça passe. Hein. Donc là, c'est un blazer. Je suis pas du tout blazer, normalement. Aïe. Donc un peu style veste de smoking d'homme. Hein. C'est quelque chose qui... descend assez bas, ça arrive au milieu des fesses. Et donc j'adore la coupe, j'adore le tissu. Ça fait un peu comme si c'était du lin. Ça en est pas, hein. Enfin je pense pas. Je fais ce que je peux, hein. Donc là je suis un peu accroupie. Mais voilà, donc les manches sont foncées sur les côtés. J'adore cet effet là. Ça fait pas des trop grosses manches de bonhomme qui tombent. Et donc vous voyez voilà, comment ça rend. Tadam, tadam. Donc c'est un défilé totalement improvisé, je pense que ça se voit. Voilà, donc je l'adore, c'est une veste que j'ai trouvée chez H&M, donc elle est rose très très pâle, elle n'est pas blanche. Et elle m'a coûté 39,90€. Donc autre petite trouvaille très basique, c'est un jean, mais je voulais vous le montrer. Parce que j'avais pas de jean gris à ma taille, et j'en ai trouvé un très beau chez Zara. Parce que les jeans gris, je sais pas pourquoi, mais je suis hyper chiante. Donc je sais pas, je trouve que ça m'est... Enfin, si le gris n'est pas beau ou si la coupe du jean n'est pas belle, ça met vite pas en valeur les cuisses en fait. Donc voilà, j'en ai essayé 36 000, j'en ai trouvé un vraiment cool. Donc c'est Zara Woman Premium Denim Collection, parce que je vous donne la référence parce qu'ils ont 78 des jeans gris. Donc là, la ceinture ne va pas avec, hein, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc c'est un slim qui fait de très belles fesses. C'est pas fait exprès, mais je vous jure que ça fait des belles fesses. Et il était à... Par contre, il était un peu cher, je crois. 34,90 ou 39,90. Parce que c'est vraiment pas du legging, on est vraiment sur du jean, pour le coup. C'est pas du jegging. Dernier petit achat. Chez San Marina. Alors, San Marina, c'est pas une marque que je plébiscite. Parce que j'ai eu beaucoup de chaussures. Alors, je trouve leur modèle très beau. Mais j'ai eu tellement de problèmes avec des chaussures que j'ai achetées qui pètent en 3 jours. Enfin, ça m'a déçue. Mais je voulais absolument la fameuse paire d'escarpins, voilà, celle qui nous met au top, celle qui fait pas trop mal aux pieds, mais qui est quand même assez sexy. Et franchement, je l'ai trouvée. C'est... Alors le modèle, hein, bien évidemment, je ne sais pas parce qu'il n'y a plus le truc. Bon. Mais c'était une paire, parce qu'elles étaient toutes à des prix différents. C'était celle qui était à 80, 89, 79 ou 89, un des deux. C'est escarpins noirs. Alors j'ai déjà mis des trucs en silicone là-dedans parce que moi sinon ça m'ouvre l'arrière du pied. Je vais vous montrer quand même. Tout de suite, ça fait 2 jours que je suis pas rasée les jambes. Je ne sais pas si
Mon appareil est tellement net qu'on verra les poils. Ouais, comme ça vous voyez comment ça rend. Je le trouve vraiment très très joli. Et ils sont plutôt confortables. Bon, je vous cache pas que j'ai quand même du mal à passer une journée avec ce genre de truc. Mais bon, voilà. Celles qui ont l'habitude. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez des petites idées de shopping. Et je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.